là. Oh putain, bien, ça termine. Putain, le deuxième. Oh. Et il y a eu le deuxième. Je me demande si j'ai pas quelque chose de mieux contre Mardo Fungur derrière ça. Oh putain. Oh. D'accord. Ah. La mort con. Oh, joli ça. Yes. Ah, ça me fait plaisir quand c'est Link. King of Iron Fist Tournament 7, Julia Chang. Voilà. On va alors terminer sur un DF1. Linké avec FF3 et Running 2-1, ça fait plaisir. Ah mais c'est encore méga ou pas? Il y a du boulot. Ah c'est Megan, bon. Oh putain la custo, oh là là. Oh joli. Oh le mur. Oh merde. Ah, je crois qu'il y a une... La connexion là elle est un peu... laggy. Allez, on va au mur. Ah.
chopette. Wesh, Axis. Aou. Tac, tac. Ah, c'est pas vrai. Oh. Je sais pas ce que tu écris là. Puis avez-vous mon marteau. Vous avez vu, j'imagine. Il a pas deux jours ton Marduk, tu le jouais depuis déjà un petit moment, tu l'avais sorti l'autre jour. Welcome to the King of Iron Fist tournament, Julia Chang. C'est la gloire, ça y est. Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement... En fait, ça veut pas tout à fait dire mon Marduk est mauvais. Ça veut dire mon Marduk est en cours. Ou alors, on pourrait dire ça comment? C'est plutôt mon Marduk. N'est pas si nul que ça. J'ai arrêté de blaguer parce que sinon après, je vais me faire tartiner. Oui, il n'y a pas 40 matchs, il y a 45 matchs. C'est toute la différence. Ah oui, c'est vrai. Enquêteur Didi, bravo. Ouais, c'est ça. On sait pas combien de luttes. Ah oui, direct, DF. Bon, ben, pourquoi pas. Oh, ça fait mal ça. D'accord. La garde est demandée à la maison. Oh bah putain. Oh bah, je suis mort. Prostate. Prostate. Prostrate. Ah là là. Bon, je reviendrai. Tous les launchers sont passés, mais n'importe comment.
Bravo, bravo. Il appuyait très très fort sur les boutons, c'est passé. En 2 jours. Toutes ces victoires pour on ne sait pas combien de défaites. Quel homme. Mais qui ne nous dit pas d'ailleurs qu'il n'y a que des victoires? Nous on sait qu'il y a au moins quelques petites défaites. Mais... non mais ça c'est parce que je suis un sac hein Didier. Non non. Je. À vrai dire, je sais pas si j'ai le temps de faire FF2. Faudrait que je fasse D1 plus 2 peut-être. Je sais pas trop. Est-ce que UF3 plus 4 même ce serait pas mal? Ça me permettrait peut-être de faire whiffer les attaques. Je sais pas, en fait, faudrait que je lab. Et je vais le noter. Je vais le noter pour les devoirs à faire. Ouais, ouais, je vois bien. Avec Kuma, je me prends pas la tête, c'est B1 et puis voilà. Non, non, mais il n'y a pas de raison sur le FF1, c'est que j'ai pas le. Enfin, c'est la panique, c'est plutôt le boulettisme. Justement, qu'est-ce qui serait bien? FF2, c'est ce qui fait le plus mal. Mais si UF3 plus 4 ça passe, ça serait sympa. Oui, voilà, c'est une mauvaise maille de tag 2. Mais non, mais parce que sur tag 2, ça. C'était pas bien hein, de faire FF1 dans cette situation contre Marduk, je pense. En vrai, je sais pas. Round 1. Fight. J'essaierai UF3 plus 4 éventuellement. Si ça passe, c'est sexy. Parce que ça le spike, je peux faire FF3. Ah bah FF3 ça doit être bien. Ouais c'est peut-être bien FF3 ce qu'on doit faire. Round 2. Fight. Non mais UF3 plus 4, ça c'est le stomp, c'est qu'on fait saute. Ça sort en 35 frames au moins. Ultra lent. Et comme elle saute, c'est possible que ça passe au-dessus des deux options. Mais bon, dans tous les cas, je pense que FF3 c'est ce qu'il y a de mieux. Il doit pouvoir après setup. Wardrobes selon la relevée. Siltech. Bah. FF3 c'est plus rapide. Et je pense que c'est mieux. Mais je sais pas. Je sais pas. Enfin, si je suis full crouch et que je fais FF1, autant faire FF3 hein, ou FF2. FF2 c'est un peu plus lent, moi j'ai peur de prendre un truc. Très honnêtement, je regarderai après dès qu'on aura terminé. Ah oui, 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 je suis en full crouch après FF2. Oui, ça c'est sûr. Je suis en full crouch après FF2. Regardera ça après. La situation peut être intéressante. Ce qui serait rigolo, c'est que UF3 plus 4 passe et évite les deux options. Qu'il stompe si jamais il essaie de se relever. Et ça fait combo. C'est très bien. Ouais mais non parce que
FF2, en fait, FF2, ça peut amener à. Il peut peut-être se relever, selon. Je sais pas, parce que tu sais, sur FF2, si jamais il est en air state, il va prendre la mise au sol où il peut se relever en appuyant sur B. Donc, je sais pas en fait si c'est vraiment intéressant FF2 là-dessus, parce que si c'est ça, bon, il s'échappe quoi. FF3, il s'échappe pas. De toute façon, j'ai essayé un peu. Savoir un FF3 plus un setup, un truc. Fouetté là, tranquillou. Voilà, d'accord, ok, bon. Faut que je me baisse derrière ça. Pas derrière ça. Voilà, parce qu'il y a ce setup là en fait derrière FF3, tu vois, je peux caler le War Drums. Ah, j'ai tapé. Ah non, ah j'ai pas tapé, putain. Ah, je pensais que j'avais tapé. What? Très honnêtement, je te dis, tu as peut-être raison, Didi. Maintenant, il faudra que je teste. Là, c'est du lab, en fait. On regardera ça après. On regardera ça après. Je resterai en stream et je testerai. Mais je t'ai dit, le truc le plus sexy. Non, mais UF3 plus 4, ça passera pas, on est d'accord, mais ça serait trop drôle. Ok, tu testes en training. Et alors donc ça donne quoi? Tu mets combien de dégâts sur FF2? Tu as le temps de faire FF2 avant la moindre de ces options? Ouais, ça m'étonne pas, hein, Romain.
C'est ce qu'on disait, mais dans mes rêves, j'aimerais bien qu'il passe, ça serait trop vrai. D'accord. Non, FF3, FF4, ça n'existe pas. C'est F4. F4-1, son nouveau wall splat. Méga longue distance. Bien bloqué, maintenant faut plus rien. Non, il bloque. Je sais pas pourquoi je fais FF1 derrière ça aussi. Ça, c'est vraiment des mauvais réflexes de qu'ils aiment. Ouais, mais après, ce qu'il faut voir, j'ai pas de strat particulièrement, c'est juste que si je fais telle droite et après je me baisse, je trouve que j'esquive pas mal de trucs. Après, c'est peut-être complètement con. Hein. Ah merde. Ouais, c'est plutôt sur la gauche. Voilà, je refais FF1 alors qu'il n'y avait pas. FF3 était mieux. Donc plutôt step sur la gauche, Miguel. Qu'est-ce que j'esquive sur de plus sur SSL que sur SSR? SSL. De toute façon, je crois que dans les strats contre Miguel, il faut duck. Quand tu step un truc comme ça. C'est déjà. D'accord. Bah, c'est pareil qu'à tester ça. J'avoue que streamer, ce qui m'intéressait, c'était de regarder un petit peu aussi justement ce que je faisais mal pour que des gens puissent me le lire. C'est pratique. Ouais, bien sûr. Ouais, mais du coup, les jabs, ils se stab aussi bien à gauche qu'à droite, j'imagine. Donc ça veut dire que DF1 se step à gauche, mais pas à droite. C'est ça le truc, surtout. Alors, il y a Martos qui va arrêter, je crois.
Donc je vais arrêter aussi, hein, Axis. Je vais aller en training un petit peu, on va regarder tout ça. Allez, c'est le match de la victoire. Celui qui gagne a tout gagné. Il est gros. Ça passe pas. Oh, ça passe! Non, mais alors ça. Ça, c'est du Sharingan, ça. Scandale, je trouve pas, c'était beau, tu vois. Ouais, un peu loin. Après, si je le prends en hit, F1 plus 4, il n'y a pas de discussion. Ouais, bon, en fait. Ah, il a fait la chope en 1. Ah, pff. Round 4. Fight. Voilà pourquoi c'est mieux en fait. Voilà pourquoi c'est mieux à FF3, je pense. On va regarder ça après, mais FF3 ça permet d'avoir le setup sur le War Drums. Et ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Bon ben GG, hein. Ah, on en fait une dernière pour savoir qui fait victoire, 9 victoires et pas 8. Moi je trouve que FF3 c'est pas mal. T'inquiète, t'inquiète, vas-y, on fait la belle. Allez. 8-8. C'est un beau jour ça, le 0808, c'est une belle date. Allez, salut Didi. Welcome to the King of Iron, Julia Chang. À demain. Mais je sais pas, il ouvre à quelle heure le random? Il est ouvert le samedi après? Oui, mais FF2 peut être plus...
plus fort, il peut faire 3 dégâts de plus. Si c'est juste 3 dégâts de plus, mais la relevée est moins intéressante, bah c'est moins bien. Je trouve. Dans mon point de vue. Je préfère faire quelque chose de plus simple. Parce que FF3 c'est quand même plus simple que FF2 aussi. Dans le sens où FF3 sort plus vite. Et si en plus il y a un meilleur qu'ils aimaient derrière, bah c'est mieux. C'est juste tout simplement mieux. Je perds 3 dégâts peut-être. Enfin, je sais pas, tu avais dit combien ça faisait. Mais si je perds pas beaucoup de dégâts, bon, c'est pas grave. Oui, j'avais pas vu la correction. Même si FF2, ouais. Ouais, je suis d'accord. Bon, bah alors, si on est d'accord, bah c'est bien. Allez, boum. Enfin! Bon, je sais pas si ça tue. Ah! Ah non, ça tue pas du tout. Du tout. Ah, ça tue. Bravo, bien joué. Je sais pas moi tout à fait pourquoi j'ai fait ça. Putain, toute la barre qu'il a perdu quand même. Ça fait plaisir, hein. Oh là là. Putain, là, c'est eux. C'est pas beaucoup. Oh putain. Oh les dégâts, c'est con. Round 4. Fight. Ah bah bien joué. Les Resdrive ont eu raison de moi. Bon, la prochaine fois. C'est moi qui gagne. Peut-être. Bon, on va tout de suite regarder ça. King of Iron Fist, Julia Chen, Craig Marduk.
Ouais, carrément, de toute façon, on refera ça. Je vais essayer de faire ça de façon assez régulière. Merde, j'aurais dû aller sur un autre terrain, c'est pas grave. Bah vas-y hein, bon courage. Alors, hop, hop. Tac. Alors non, ça on s'en fout. Tac. Ouais, c'est propre. Le chien comme ça. Le chien comme ça. Donc effectivement, F3+4 ça marche pas, c'est bon. Wouah, FF3 ça peut whiffer. Non, il faut le faire. Ah ouais, non mais ça récupère comme ça. Là c'est pas une riposte. Oh, FF3 c'est nul. Oh, faut le faire direct. Ah, c'est pas si bien. Quand il tech, il peut techer sur ce truc. Ouais, bah je crois que c'est FF2 le mieux. Comment est-ce que tu... À quel moment tu le fais ton tech là? Tu touches le sol? Je veux dire lorsqu'il fait ça là? Là lorsqu'il fait ça? Comment il peut se relever sinon, à part en faisant ça ou en se relevant droit. Enfin, après, de toute façon, il se relève normal, mais il peut pas teker enfin. Ah, ça donne quoi s'il veut taper? Ça passe de l'autre côté. Ouh, la relevée. Allez, bah ça marche. Ça fait 47 tout ça. Je sais pas s'il peut faire quelque chose. Comme ça aussi. Je récupère l'avantage. Pas mal. Non.
Salut. Ça peut être pas grave. Ça peut être bien ça. Pas mal. Je sais pas. Je sais pas quand même. Je pense qu'elle fait deux semaines. Je retiens que D4-1 c'est pas mal aussi. Et Miguel, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je n'ai pas oublié. Miguel. Get ready for the next Ça passe. C'est sérieux? Je step DF1 mais je step pas DF1-1. Alors ça? Je sais pas si c'est logique. Bon bah en tout cas effectivement ça step c'est mieux mais je suis perdu là sur le DF1. Bon allez. Right there.